Légende ou histoire vraie? Monsieur Gardanne, contrebandier quinquagénaire, fait du trafic entre Cannes et Nice, duché de Savoie à l'époque. Pour masquer son affaire, il achète du poisson frais aux pêcheurs locaux. Mais les douaniers, l'ayant pris en flagrant délit, le pistent. Une nuit, Gardanne se rendit compte qu'il était pris en filature. Il décida donc de ne pas poursuivre son chemin jusqu'à Cannes et alla se réfugier dans une grotte sur les criques de Théoul-sur-Mer. Mais il fut malheureusement très vite rattrapé par les douaniers. Fou de rage, il se débarrassa de sa marchandise en la jetant par-dessus bord et prit la fuite vers Cannes. La grotte fut ainsi nommée la grotte de Gardanne.